Dans l'Antarctique, la découverte de particules au comportement étrange pourrait démontrer l'existence d'un monde parallèle au nôtre. C'est dans les glaces de l'Antarctique que la NASA aurait découvert la preuve de l'existence d'un monde parallèle. L'info ressemble au pitch d'un film de science-fiction des années 50, mais elle fait la une du très sérieux New Scientist. Selon le New York Post, les scientifiques de la NASA ont peut-être trouvé un univers parallèle où les règles de la physique sont complètement différentes des nôtres. Cette découverte est arrivée après que la NASA ait mené une expérience sur les rayons cosmiques. Cela les a amenés à trouver des particules qui, selon eux, pourraient avoir été créées lors du Big Bang. Ils ont utilisé l'ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna, qui a été transportée par un ballon où ils ont trouvé des particules de haute énergie descendant de l'espace. Apparemment, ils ont également détecté des particules à haute énergie, les neutrinos tau, qui remontaient de la Terre. Cela a conduit les scientifiques à penser qu'ils ont peut-être trouvé des preuves suggérant l'existence d'un univers parallèle. Si vous vous intéressez à l'espace, vous avez certainement vu passer, ces dernières semaines, un article au titre assez vertigineux, publié dans l'hebdomadaire britannique The New Scientist, et titré ainsi « Nous avons peut-être détecté un univers parallèle qui remonte le temps ». Face à ce type de titre, et dans ce type de magazine, usuellement assez sérieux, notre sang n'a fait qu'un tour.